glorifier le Seigneur. Et parce que Dieu dit, va dans les nations, va dire ce que j'ai fait pour toi. Amen. C'est pour ça que je me tiens là pour glorifier Jésus. Je vais d'abord chanter mon petit chant. Amen. Quand je me souviens qu'il m'a béni, je chante. Quand je me souviens qu'il m'a sauvé, je chante. Quand je me souviens qu'il m'a aimé, je chante. Quand je me souviens qu'il m'a racheté, je chante. Comme ça, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Alors, c'est une longue histoire. À cause du temps, je vais faire les brefs. Et je prie que ma soeur, mon frère, ceux qui sont surtout mariés, écoutent ce matin et comprennent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah. Il a fait avec Elisabeth et Zacharie. Il a fait avec moi. Il le fera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est le maître des temps, des circonstances. Amen. Lui ne fait pas le parti pris. Il ne fait exception de personne. Amen. Amen. Alors, comme tout le monde, les frères et les soeurs qui m'ont précédé, moi aussi, je suis né dans une famille païenne. Et dans ma famille, ceux qui connaissent un peu... La province du Morel-Intem, qui connaissent un peu, comment on appelle ça? L'église Saint, je vais m'oublier ça, Saint-Charles-Roi là. Amen. Toute ma famille a commencé là. Et moi-même, je faisais partie des petites filles qui donnaient les offrandes. Et en grandissant, tellement j'aimais le Seigneur, je croyais vraiment que je servais Dieu. Parce que je voulais porter la robe. En fait, je voulais être sœur. Quand je voyais les sœurs, je me disais, ça Seigneur, je vais terminer ma vie comme cette fille. Et Dieu connaissant vraiment qu'il m'avait choisi, il m'a laissé la voir là-bas, il savait le temps qu'il allait m'enlever de là. Amen. J'ai fait ma vie comme tout le monde. Alors que j'ai eu mes 19 ans, j'ai rencontré celui qui est mon époux aujourd'hui. Amen. Depuis l'âge de 19 ans, on est ensemble, on était ensemble. Dans le monde, comme tout le monde. Et puis quand on a décidé vraiment de nous marier, sa famille qui m'avait donné tous les noms, et ma belle-mère qui m'appelait même moi-même, parce que pour elle, elle avait trouvé une belle fille.
Elle avait toujours dit à son fils, parce que mon mari est issu d'une famille de quatre soeurs. Il est le seul garçon et le dernier. Vous pouvez comprendre. Quand il a déclaré qu'on va se marier, la guerre a commencé dans sa famille. J'étais devenue sorcière. J'étais devenue tout. Et surtout qu'on avait fait tout ce temps-là. Les années passaient. Je n'avais pas d'enfant. Je ne faisais pas un enfant. Je ne mettais pas au monde. Au début, ça ne me faisait rien parce que je me disais que je suis une enfant. Je suis encore jeune. Les enfants, ce n'est pas mon truc pour le moment. Et comme dans ma famille, c'est quelque chose qu'on nous avait mis en tête. Parce que mon père, quand il est mort en faisant des enfants. Et je suis issu d'une famille polygame, je crois que c'est ce qu'on dit, polygamique ou polygame. Papa a laissé 5 femmes. Et toutes les femmes de papa ont fait des enfants. Et dans ma famille, presque tout le monde a fait des enfants. Celle qui m'a élevée, elle aussi, quand elle était plus jeune, elle avait eu un avortement. D'où vraiment stérilité, on l'a vraiment bien connue par moi. Entre temps, je prenais les grossesses qui partaient. Au début, c'était même pas, ça ne faisait pas trop mal. C'est mon époux qui avait vraiment mal parce qu'il voulait un enfant. Je me disais qu'à partir de 25 à 27 ans, c'est là où vraiment je voudrais mettre au monde. Et quand j'ai atteint 25 ans, à 27 ans, j'étais surprise de voir que l'enfant ne vient pas, comme mes parents, mes beaux-parents le chantaient. Alors, les chants ont commencé, les poésies, à mon égard, on m'a surnommé le coq ne pond pas les œufs, l'arbre qui ne produit pas de fruits. Je suis un homme, j'ai beaucoup d'hormones. Et comme tout le monde fait, quand on est dans le monde, quand quelque chose nous arrive, nous oublions qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Nous oublions que Dieu existe. Notre première direction, c'est de nous tourner vers ce qui... On est déjà dans le souci. On a déjà des problèmes. Ce sont ceux qui vont encore ajouter les jours dans nos vies. Ceux qui vont faire de nous des esclaves, avoir des problèmes plus que ce qu'on avait avant. Amen. C'est comme ça que les autres m'ont amené à aller consulter Ngara parce que dans ma famille, c'était vraiment un interdit. Papa nous avait dit qu'aucun de ses enfants ne doit aller consulter Nganga. Et quand je partais chez Nganga, c'est un cousin qui m'avait amené, il m'a amené chez une femme pygmée. Et quand il m'amène là-bas chez une femme pygmée, la femme là me consulte. Elle me demande de monter la main, je monte la main. Mon cousin était là. Ce qu'elle m'a dit est que, ma fille, il ne faut plus venir. Tu ne fais pas partie de notre milieu. Je vais te donner les médicaments pour te faire l'adhérence, pour avoir les grands types. J'ai regardé mon cousin et dit, oh, moi je suis venu pour qu'elle me soigne. C'est l'adhérence qu'elle veut me faire. Elle m'a dit d'aller à l'église parce que je ne fais pas partie de ce milieu. Mais entre temps, je me disais quand même d'aller faire si c'est les bains, c'est le traitement, je ne sais pas. Je suis allé là-bas 3 fois, j'ai commencé à me décourager. Après ce que je suis, elle est musulmane. Elle m'a amené chez un marabout. Quand je suis arrivé chez marabout là, il m'a consulté avec de l'encre, et je ne sais pas, c'est l'encre, l'encens. Il écrivait quelque chose, il écrivait soi-disant que c'était mon avenir et le nombre d'enfants que j'aurais. Et il m'avait demandé d'amener 5 mètres de tissu blanc. Mais entre temps, je vous assure, j'avais des problèmes, des sérieux problèmes avec mes beaux-parents. Donc je voulais maintenant faire l'enfant là par vengeance pour qu'il voit que je suis une femme et que je fais des enfants. Et lui, il m'a demandé d'amener 100 petits piments. 100 petits piments verts. Je me suis écrié que je vais avoir 100 petits piments où? Ici à Libreville. Si c'était à OIM, j'allais trouver ça, mais ici, je ne sais pas. Comme le diable fait bien ces choses, pendant que j'étais là-bas, il m'a dit, mais ton cousin, le maire du premier arrondissement, celui qui était maire, Alain Ongwan, c'est mon grand frère. Il m'a dit, mais devant sa cour, il y a un pimentier. Tu vas trouver ça. Je suis allé de là où j'étais, j'ai couru là-bas. J'ai commencé à compter 5 petits piments. 100. À chaque fois que je récoltais un piment, je déclarais des malédictions contre ma belle-sœur. Pour moi, je voulais qu'elle soit malade, qu'elle meure et que le truc écrase le goudron là, l'écrase. Je ne voulais même pas qu'on voit son corps. Je voulais qu'on vienne râper sur le goudron
les miettes de chair. Parce que quand la haine t'habite, quand tu es habité par la fureur, la colère, voilà de tels résultats. Je comptais le piment et j'ai atteint 100. Et les 5 mètres de tissu blanc qu'il m'a demandé à la veille, et il m'a dit de repartir dans 3 jours. Je suis reparti dans 3 jours. Quand je pars là-bas, le pain qu'il m'avait demandé, il avait déjà cousu la porte et j'ai reconnu mon tissu. Et lui, il me dit, j'ai oublié de te dire ça quand j'étais là. Il ne faut plus venir ici. Ce que tu vas faire ne va pas marcher. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Tu n'es pas de notre milieu. Ce que tu vas faire ne va pas marcher. Je vais quand même te donner quelque chose, mais ne reviens pas. Quand tu me disais ça, je regardais mon tissu qu'il avait au corps. Je ne regardais même plus le piment. Je regardais seulement mon tissu. Pourquoi tu as cousu? Tu savais que moi, je ne suis pas le seul milieu, mais tu as cousu mon paille. J'étais tellement énervé, j'étais plus jeune. C'était une grande personne. Je suis parti, j'étais vraiment découragé. Et c'est comme ça qu'on m'amène vraiment chez Satan lui-même. Parce que quand tu cherches un enfant avec la torche, quand l'enfant devient vieux, tu vas aller partout jusqu'à aller rencontrer Satan lui-même. On est parti, on nous a amené quelque part, quelqu'un a vu un de mes aînés, qui lui a dit, mais non, je connais un certain monsieur, je crois qu'il est décédé, il habitait même quelque part là. Un magicien, lui, ne blague pas et tout et tout. Quand il verra ta petite soeur, et puis elle est jeune, sa situation va se décanter, c'est rien. Quand je pars là-bas, avec mon époux, on était à deux. Il nous avait demandé de prendre des grains de sable et tenir ça en main. On a tenu les grains de sable en main. Et il nous a appelés. Ce qui nous a surpris, il nous a appelés par nos prénoms. Et on s'est regardé. Et j'ai eu peur même de l'endroit là où nous étions, parce que je n'étais jamais rentré dans un truc comme ça. Il avait dessiné, comment on appelle ça? Quand tu rentrais chez lui, c'était la tête de la panthère. Et là où il était assis, c'était vraiment un grand dessin du sexe de la femme. Et c'est là où même il était assis. Et il se déguisait en sirène, je crois. Il avait un point rouge ici. Il avait des longs. Et quand tu rentrais, il disait, bien reçu, mamie. Donc, il travaillait avec la sirène. Alors, pendant qu'on était là, il a commencé à nous consulter. Il a révélé à mon époux tout ce qui s'est passé dans sa famille quand il était petit. Il lui a dit comment son père est mort. Et moi, je voulais l'appuyer. Je disais, un tel homme, si on fait un geste là, il va nous voir. Bon, parce que j'avais commencé à prendre peur. J'avais peur qu'il me dise qu'elle va bientôt mourir. Pendant qu'on était là, il avait dit à mon époux ce que sa mère faisait aux séances de nonnes dans son village et comment elle était habillée. Et elle était habillée comme ça. Et moi, il me dit, toi et moi, on va voyager. On va aller chez toi. Je dis chez moi, où il me dit à Oyem, c'est comme ça, assis là-bas. Il me dit, on prend la voiture, on a pris la voiture. C'est lui qui parlait, il a fermé les yeux. Il me dit, même on arrive chez, puisque mon aîné, une de mes aînés habite à Angela. Elle avait une voiture Bordeaux. Il me dit, on arrive chez ta grande soeur. Il avait un langage bizarre. Un parent à toi de sang. Il habite là en haut. Elle a la couleur de la voiture qui a la couleur de sang. Et mon mari me regarde, il me dit, mais ta grande soeur s'appelle-t-elle? J'ai dit en lui. On est allé jusqu'à l'aéroport Leomba. On a embarqué dans l'avion. On est descendu à l'aéroport d'Oyem. Il connaissait le nom. Il m'a mis dans la voiture pendant que j'étais assise. On est allé jusqu'à mon village, dans la maison de mon père. Il m'a dit, je vois une grande maison là où les gens s'assemblent. Il y a une grande croix comme ça. C'est l'église de mon village. On appelle ça Saint-Pierre et Paul. Ah, je me suis dit que cet homme-là, on a trouvé le Messie. On a entendu parler vraiment, il est vrai. Ça, c'est le Messie. Lui-même, il me disait juste la solution. J'ai dit, c'est la vérité. Et quand on arrive, il a décrit tout ce que mon père faisait, que papa faisait comme ça, il faisait comme ça. J'ai dit, oui. Et quand on revient, il me dit, bon, je vais retourner le traite. Écoutez le traitement que l'homme-là me donne. Il me dit, non, tu vas amener 3 œufs, les œufs de la perdrix. Je me dis, je vais trouver les œufs de la perdrix où? À 9h, c'est 1500. À 17h, c'est 17 000. À 19h, c'est 21 000. Fais vite, le temps presse. Sinon, tes enfants vont partir. Vous savez, quand une femme cherche les enfants, elle est prête à tout.
Je lui ai dit, je n'ai pas. Je préfère te donner l'argent, toi me va chercher. Ce n'est plus ça, va attraper un chat noir. Je lui ai dit, mais je vais attraper un chat noir. Je ne peux pas attraper un chat noir. Moi, je n'ai pas de chat. Un chat, quand il te voit, il se sent sur la défensive. Il se met sur la défensive, il peut t'agresser. Je vais trouver le chat noir où? Donne l'argent. Oh, amène les dents de la chauve-souris. Les trucs bizarres. On va prendre la terre, va à Rabosset, tu vas prendre le haut de quelqu'un qui vient de mourir. Je ne peux pas faire tout ça. Là, vraiment, l'homme là me demande pour. Vous voyez, nous, vous les femmes, quand vous cherchez l'enfant, c'est comme ça. C'est pour que le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Amen. Oh, va chercher les cordons ombilicales, les jumeaux. J'ai dit, ah là, c'est facile, c'est rien. Ma mère travaille à l'hôpital. Quand j'appelle mon maman, moi je ne savais pas que c'était dangereux, parce que c'est un traitement, c'est rien. Quand j'appelle mon maman pour lui dire, on m'a demandé les cordons ombilicales. Quand les femmes vont accoucher là-bas, s'il y a les cordons ombilicales, les jumeaux, envoie-moi ça. Maman s'est écriée. C'est là où j'ai réalisé que c'était dangereux. Maman m'a dit, qui t'a demandé ça? J'ai dit, c'est un gangrène, c'est juste pour me faire le soin pour que je puisse faire les enfants. Elle m'a dit, ne plus mettre pied. De ne plus remettre les pieds. Alors, je suis venue là à mon mari, que maman a dit qu'elle n'envoie pas et qu'on ne remette pas les pieds là-bas. Et comme l'homme là, quand on est reparti, lui, il nous dit, il appelle mon mari, m'appelle. Oh non, allez chercher un corps, je vais faire comme ça. On a dit, on n'en peut plus. Soigne-nous. Il ne me faisait jamais les soins. À la fin, il me dit, ma fille, avec ton mari là, ne revenez plus ici. Vous, toi, tu n'es pas d'ici. Tu es de la grande maison là où l'homme là porte le chapeau. Donc, à Sainte-Marie, il faut aller à l'église. Pour toi, il y a déjà trois personnes qui m'ont demandé d'aller à l'église. J'ai dit, finalement, ma situation est chaotique. J'ai abandonné les troupes de Nganga sans compter même vos parents qui voulaient me faire manger le bois. Sans compter les nombres de fois, on m'a envoyé d'aller à Mivou chez Kaone. J'ai été maintenant esclave de Nganga. Tout ce qu'on avait était maintenant pour les Nganga. Et c'est comme ça qu'on s'est découragé. J'ai fait route à l'hôpital. Je ne sais pas quel gynécologue qui ne me connaît pas ici. Je ne sais pas quel médecin qui ne me connaît pas ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé à consulter les médecins. Quand on va voir un gynéco, il me dit, tu sais, tu ne peux pas faire d'enfant. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que, excusez-moi, parce que le spermatozoïde de ton mari peut féconder, mais ne peut pas arriver à terme. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est comme ça. Ok. Tout ça là, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et en 2009, l'affaire là, j'en avais marre. Et ma tante, vraiment, j'ai béni Dieu quand on a prié pour ceux qui ont abandonné la foi. Celle qui m'a prêché Jésus, elle me prêchait plus, j'étais déjà énervé. Elle habitait avec celle que je suis. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me parlait de Jésus. Et quand je suis reparti, avant d'aller là-bas, je demandais aux enfants de voir si ma tante est là. Elle a entendu, je lui ai dit, non, viens, je ne te parle plus de Jésus. Je lui ai dit, d'accord, est-ce que c'est forcé? Ma grande soeur, là, tu ne lui parles pas de Jésus. C'est moi que tu parles de Jésus tout le temps. Jésus, Jésus, je suis déjà, moi je suis baptisé, confirmé, communié et chargé. Je suis chargé, j'ai les charges à l'église. Je suis paroissienne. On me connaît même, Marie-Ga me connaît. À Saint-Jean, je fais des services. Donc, ne me parle plus de Jésus. Et en ce moment, j'avais vraiment une mauvaise appréhension de l'église du réveil. Nous, on me disait, on prend les gens l'esprit. Les gens qui vont là-bas, c'est des gens qui cherchent le mari, les gens qui veulent le boulot. Nous, en ce moment, vraiment, on nageait un peu dans l'argent. Je disais, oh, ça, c'est des trucs des pauvres, des gens qui ont des problèmes. Nous, on va aller. Et puis, quand on partait à l'hôpital, là, c'est pas à l'hôpital général, hein, c'est dans les cliniques. On a fait toutes les cliniques jusqu'à ce que, un jour, en préparant notre mariage, tout a basculé. À chaque fois qu'on allait se marier, quelqu'un mourait. À chaque fois qu'on préparait le mariage, quelqu'un mourait. Jusqu'à ce qu'un grand vent vraiment a soufflé, il y a eu des problèmes graves entre mes parents et ses parents. Parce qu'ils m'avaient accusé de tout. Et tout ce qu'on me disait, je n'arrivais pas à dire ça à mes parents. Parce que maman m'avait dit que quand tu habites avec un homme, ne mets pas l'homme en conflit avec ses parents. Dès qu'il arrive, tu bourdonnes à son oreille. Ta soeur a dit ça. J'ai rêvé de ta mère, j'ai rêvé de ta tante, la journée ils m'ont fait comme ça, donc j'étais pleine.
Et quand les 10 ans étaient accomplis, je n'en pouvais plus. J'ai appelé ma grande soeur. Tous mes parents étaient venus. Ils se sont assemblés, on a parlé. Et c'est en ce moment vraiment que je crois que Jésus a dit, ça y est, c'est bon, je crois qu'elle va venir. Et quand ma grande soeur m'a encore parlé, je n'ai plus résisté. J'ai dit, on va partir. On va partir. Entre-temps, je préparais le mariage. Là, je préparais déjà le mariage pour la 4e fois. Vous étiez déjà acheté, ma belle-mère était même déjà morte. Ça, c'est 2 semaines, 2 ou 3 semaines après son enterrement. Tout était payé, là on devait faire la cérémonie, la nourriture, les prestations, on avait tout payé. Et quand je pars, mon mari était sourd, il était bourré. En ce moment, on est parti de la maison sans savoir où on allait. Abraham au moins savait là où il partait, mais mon mari et moi ne savait pas là où on allait. On a seulement pris le sac, on est parti. Et c'est en partant, avant j'avais rencontré les hommes, amen, beaucoup d'hommes, mais je n'avais pas encore rencontré un homme, alléluia, amen. Mais c'est dans cette détresse que cet homme m'a tendu la main, amen. Alléluia, amen. Quand je pars chez ma tante, elle habitait à Rénovation, et à Rénovation il y avait une assemblée, Bethel Média. Donc elle nous a dit, non, attendez, on était là, on voulait même qu'ils nous demandent de dormir, parce qu'on était maintenant comme des vagabonds. On dormait au bord de mer, mon mari et moi, sur les bois. De fois, même les hiboux venaient faire des selles sur nous, des chauves-souris. Les gens pouvaient même nous agresser. On partait à Kangourou, on dormait dans les forêts. Quand l'hôtel à soif n'était plus opérationnel, on dormait dedans. Les gens sont même venus nous trouver, ils pouvaient même violer et le tuer. Mais Dieu avait un plan pour nous, amen. Le Seigneur vraiment savait qu'il avait mis un sceau sur nous. Et quand je pars là-bas, on avait vu une grande salle avec des fleurs, beaucoup de choses. J'ai dit à mon mari, Couron, ça c'est la maison des francs-maçons. C'est vrai que d'où il y a les francs-maçons, ça c'est leur maison. C'était écrit, on croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. J'ai dit, ah, eux aussi, ils utilisent la parole. On a couru, j'ai dit, le regard, lui, là-bas, on traverse en courant. Elle habitait au coin. Quand on est allé, on est resté tellement longtemps. Donc, ils avaient un séminaire. Alors, à 19h, on a entendu des chants. Le premier chant que j'avais écouté, c'était « Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. » Je voulais sortir parce que j'avais aimé le chant. Et puis, son mari nous dit « Accompagnez-nous d'abord là, on va vous déposer. » On a dit « Il n'y a pas de problème, même si on dort ici. » Quand on rentre comme ça, l'assemblée était déjà comme vous êtes là. Ils nous ont demandé de rentrer. Lui et moi, on s'est regardé. Mon Dieu, maintenant, elle veut vraiment me sacrifier. C'est moi qu'elle voulait vraiment sacrifier. Elle a toujours dit Jésus, Jésus. Donc c'est comme ça. On est allé s'asseoir. Le pasteur a fini de parler, tout ce qu'il disait. Lui et moi, on était là comme deux moqueurs. Quand ils disent quelque chose, déjà, je crois qu'il était sous. Quand ils disent quelque chose, on éclate de rire, on se regarde. Quand ils disent quelque chose, on éclate de rire. Mais quand ils ont attaqué l'église catholique, ils nous ont réveillés. Mon mari a commencé à me dire, non, même lui-même, il est souvent grand comme ça, tout quand il ne voit pas, il voit. Il ment. J'ai dit, c'est vrai, il ment. Tout ce qu'ils ont dit là, et pourtant ça nous concernait. Je me suis même énervé, j'ai dit, mon Dieu, comment ma tante peut venir livrer toute ma vie? Et il m'a dit, oui, tu as dit que mes parents sont mauvais, voici ta tante. Non pas les gens qui nous connaissent, mais ceux-là, ils ne nous connaissent. Tout le monde, je croyais que tout le monde nous regardait. Amen. En personne ne nous regardait. Et quand on a dit qu'il va accepter le Seigneur, j'ai dit pardon, levons-nous. Les gens là connaissent que c'est toi et moi qui sommes nouveaux. Ils nous connaissent. Ne reste pas pardon. Regarde comment ils nous regardent. Si les gens veulent accepter le Seigneur, s'il y a les gens, personne ne se levait. Donc je leur ai dit, levons-nous. Levons-nous, ils insistent, ils savent que c'est toi et moi. Levons-nous. Si on ne se lève pas, ils ne vont pas arrêter. On s'est levé. Donc un grand séminaire comme on est là. Les deux personnes qui ont donné leur vie à Jésus, c'était mon mari et moi. Alléluia. Amen. Alors, quand on a même la vie, on se lève, on se disait, oh, ça va s'arrêter là. Quand ils ont dit avancer, je dis, ah, les gens l'exagèrent. Ils exagèrent, mais on est là. On essaie déjà de lever. J'allais même dire ça. Et entre-temps, je voulais regarder, je me disais si j'avais un caillou là. Ma tante était assise derrière. La seule pensée, c'était de lui flanquer ça. Et puis sortir de là. Il dit vraiment,
c'est bien fait pour toi parce que ça, c'est la récompense de ce que tu as fait. Comment tu peux venir me livrer comme ça devant les gens et tu fais semblant dans ce qu'elle faisait, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'intercession. Elle disait, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les. Je disais, qui te touche toi-même? Qui te touche toi-même? Donc finalement, on s'est avancé. Je vous assure que quand les gens l'ont prié pour nous, ma grand-sœur m'avait dit, quand tu vas, n'accepte pas qu'on te touche la tête, ils vont te prendre l'esprit. Amen. Alors, j'ai accepté le Seigneur avec lui ce jour-là. C'était en 2009. C'était en 89. Le 19 août 89. Donc, on devait se marier le 21. Et puis, on a continué la marche avec le Seigneur. On a continué la marche avec le Seigneur. Dès qu'on a rencontré vraiment Jésus, c'est comme ça qu'on a décidé de ne plus aller chez les gangas. On va continuer seulement avec les médecins. Et quand je continue avec les médecins, je repars. Quelques temps après, on repart chez le médecin. Les médecins me redisent les mêmes choses. Mais entre-temps, je prenais les grossesses. Ça partait. J'avais déjà pris peut-être 7 fois. Je dis, Seigneur, c'est bon. Je ne veux pas être une femme qui compte le cimetière. C'est, si c'est toi, il faut arrêter. C'est bon. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans la marche, quand j'ai accepté le Seigneur ne cessait de me donner les paroles. Il me disait qu'il est celui qui ouvre les seins maternels et qui fait enfanter. Alléluia. Le Seigneur me disait que ce qu'il a fait pour Sarah, il est capable de le faire pour moi. Amen. Et moi, je n'ai pas l'âge de Sarah. Et quand je vais à l'hôpital, les médecins voulaient me faire croire que moi, j'étais plus vieille que Sarah. Oh, vous avez déjà un certain âge avancé, vous ne pouvez plus enfanter, déjà votre mari ne peut pas. J'ai dit dans la vie, dans mon mari à la vie. Je reviendrai vers vous pour vous monter les enfants. Amen. Parce que ce que vous dites est contraire de ce que je lis. Amen. Et parce que mon Dieu m'a donné les promesses. Après 5 ans, le Seigneur me donnait toujours les promesses. Vous savez, et quand j'allais dans les séminaires, à chaque séminaire, je voulais seulement qu'on dise quelles sont les femmes qui veulent enfanter. Je voulais seulement qu'on parle d'enfants. Enfants, dont j'avais maintenant érigé notre Dieu. Le Dieu, c'était enfant. Enfants, dont je voulais qu'on prenne seulement les versets là où on parle de l'enfantement. Alors, un jour, j'étais sur le Seigneur, m'amène à méditer. Il me donne Exode. Exode 20, qui ne veut pas avoir, qu'on ne doit pas avoir un autre Dieu devant la face du Seigneur. Ce n'est le Seigneur lui-même. Et je me suis assis, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je n'adore plus les idoles. On dit, le même m'a dit, l'enfant devient un Dieu. Amen. Tant que tu vas te séparer de ça, je te donnerai les enfants. Alléluia. Et on a continué. C'était terrible. Les médecins me disaient les mêmes choses. Quand je vais à l'hôpital militaire, c'est là où le Marocain qui est là-bas m'a dit, madame, je vais vous déclarer stérile. Vous avez une stérilité chronique. Amen. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que je vais enfanter. Et puis l'autre me dit, vous avez les myomes, les fibromes qui sont multipliés dans le ventre. Là, vous ne pouvez plus enfanter. J'ai dit dans mon ventre, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit que je porterai des enfants. Et entre-temps, mes parents me traitaient de sorcière. Oh, tu es mauvaise. Si tu aimais ton mari, tu lis la parole, non. Sarah avait pris une femme à son mari. Pourquoi toi, tu ne lui donnes pas une petite fille, même une fille de chez toi? J'ai dit, l'enfant que vous voulez voir viendra de moi. Amen. C'est moi, je suis la promesse que Dieu lui a faite. Même dans ma vieillesse, vous attraperez ses enfants. Alléluia. Et on a continué la marche. La dernière fois vraiment que j'ai voulu pleurer pour les enfants, j'étais avec une soeur à la maison. Elle était au salon avec mon mari. C'était en 2009. Entre-temps, le Seigneur me donnait les paroles. En 2009, j'étais dans la chambre toute seule. Je ne sais pas où je vais avoir, je ne sais pas quel âge j'avais même. C'est là où le Seigneur est venu dans ma chambre. J'ai senti vraiment une forte présence. J'ai senti qu'il y avait plein de monde. J'ai senti vraiment que quelqu'un me portait. Je ne sais comment expliquer ça. Il m'a dit, sèche tes larmes. Quand tu auras 42 ans, je viendrai à toi et je te donnerai les enfants. Amen. Je suis sorti en courant, je suis allé trouver la soeur. Je dis, oh, le Seigneur était dans ma chambre. Il a dit que quand j'aurai 42 ans, il me donnera les enfants.
Bon, avec tout ce qui s'est passé dans les bâtiments, avec les fausses prophéties qui nous tenaient en captivité, on était maintenant là assujettis. Les fausses prophéties, les choses qui n'étaient pas vraies. Donc, elle m'avait conseillé de faire attention. Ça peut ne pas être Dieu. J'ai dit, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Mon mari a même quitté parce que toi qui ne voulais plus écouter ces choses. Sa réaction était normale. Il est sorti. Et puis, en 2009, les années ne faisaient que passer encore. Passer et passer et repasser. Et quand je dis, Seigneur, cette affaire d'enfant, je vais déposer au pied de la croix. Qui a dit que les stériles n'iront pas au ciel? Amen. Toutes mes soeurs dans la chair et en plus qui font les enfants, ce sont mes enfants. Et je m'occupais de mes soeurs, même dans la famille. Je m'occupais de ses enfants. Et quand j'ai eu 42 ans, alléluia, j'avais déjà oublié. Amen. Je partais à Dakar parce que le Seigneur me faisait un fond mal à grâce. Je suis allé à Dakar, je voulais repartir en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne pars pas là-bas. Il y a la guerre. Je suis allé à Dakar. Et quand je pars à Dakar, je suis né le 20 mars. Je suis parti le 18. Je préparais mon voyage. Et le mois de février, vous avez vu, j'ai mes petits-fils, deux jumeaux. Un est rentré dans la chambre en février. Il m'a trouvé assis sur le lit. Il m'a dit, mamie, ça va? Je dis oui. Oh, l'enfant là me dérange. Mais je n'avais pas la capacité, je ne sais pas ce qui m'empêchait de le chasser. Il me dit, mamie, il a bougé, il est dans ton ventre. Je cherchais les talons de chaussures. Je voulais lui coller ça à la tête, mais j'étais incapable de prendre la chaussure. J'étais incapable de talocher, j'étais incapable de juger, j'étais incapable de parler. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, mamie, je peux tomber, je peux m'amener sur le lit? Je dis, oui. Mamie, je peux le toucher? Oui. Mamie, je peux mettre la tête, je peux écouter comment il respire. Mais l'enfant est sérieux. J'ai dit oui. Il a posé sa tête. Alors l'autre frère, l'autre jumeau est venu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, le petit de mamie a bougé. Il dit, oh, arrête, sa mamie est vieille. Mamie ne peut plus faire l'enfant. J'ai dit, au nom de Jésus, Satan, arrière de moi. J'ai dit, Satan, arrière de moi, au nom de Jésus. Et lui, il a été sensible. Il dit, tu es méchant, tu dis des méchancetés à mamie. Mamie va faire des enfants. C'est là où il a dit, oui, mamie, moi aussi, je peux le toucher. Les deux étaient sur moi. Et puis mon mari a fait son entrée dans la chambre, m'a trouvé comme ça avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, lui, Cameroun a dit que l'enfant a bougé. Il est ressorti. Donc, ces choses, je ne voulais plus voir ça, c'en était pro. Ça faisait déjà 23 ans. Amen. Des galères. Et Abraham, c'était 25 ans. Hein? Le père de la foi. On a la même histoire. Alléluia. Amen. Vous avez vu Sarah et vous voyez Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, pour faire ces choses, avant de donner à Abraham et Sarah les enfants, il a changé leur nom. Il a enlevé Abraham, il a mis Abraham. Il a enlevé Sarahi, il a mis Sarah. Amen. Mon père qui m'a mis au monde m'a surnommé Colette Claire. Alléluia. Et une fille, une soeur, était en train de travailler. Elle m'a dit, Dieu m'a dit de t'appeler la promesse. J'ai dit, je refuse son nom au nom de Jésus. Ne m'appelle pas comme ça. Les autres s'appellent Esther, les autres s'appellent Ruth. La promesse, c'est qu'une histoire, ça va s'accomplir quand je refuse. Un couple est venu me trouver à Libanais, je crois, 2 ans après. Ils m'ont trouvé en train de laver. Je ne les connaissais pas beaucoup. Ils passaient tout le temps. Ils rentraient dans toutes les maisons, sauf chez nous. Ce jour-là, ils sont venus me trouver. Ils m'ont salué. Ils m'ont dit, servant de l'Éternel. J'ai dit, oui, bonjour. Pourquoi tu refuses le nom que Dieu te donne? J'ai dit, quel nom? Le Seigneur nous a dit de venir te dire d'accepter le nom qu'il t'a donné. C'est parce que c'est lui qui t'a donné ce nom. J'ai dit, quel nom? J'ai donné plus le nom. Non. La promesse, oui, depuis ce jour. Alléluia. Amen. J'ai porté ce nom. Amen. Parce que Dieu a changé mon identité. Amen. Et après, quand je pars à Dakar le 18, le 20 mars, mon époux m'appelle pour me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai 42 ans. Alléluia. Amen. Et là-bas, je fais un songe. Le lendemain, avant de partir,
J'entends une voix qui me dit, parce que je voulais prendre mon paquet de serviettes périodiques. Je devais avoir mes menstrues au 23. Je dis, ah, Seigneur, je voulais avoir ça ici. Chez les musulmans, vraiment, même si c'est ma soeur. Une voix me dit, arrête, c'est la dernière fois. Je lui parle en autorité que tu manges, je t'ordonne tes terres. Au nom de Jésus. Je parle de Dieu, elle dit à Jésus, écoute tes enfants, elles ne te connaissent pas. Elles font du bruit. Elles ne te connaissent pas. Cette voix a insisté. J'ai dit, je prends. J'ai mis le banc pour prendre ça. Je vous assure, je suis tombé. Parce que Dieu ne voulait pas que je prenne. J'ai pris par désobéissance. J'ai mis dans la valise. Et quand je pars à Dakar, j'ai 42 ans, le vin. Et mon époux m'appelle. Le vin, le maître vient dans la nuit, dans le songe. Il me dit, prends ta main, pose ça sur le ventre du côté gauche et bois ce qui t'embête. Je dis, laisse-moi dormir, pardon. J'ai un sommeil. Après, il a tenu. Pose ta main. J'ai posé ma main. Et quand j'ai broyé comme ça, je me suis réveillé. Tout ça, c'était un mensonge. C'était comme la glaire. Un produit noir qui m'a sali la main. Après, je lui regrette de ta faute. Tu m'as sali la main. Je voulais dormir. Et il m'a dit, prends ta main droite. Pousse le bébé du côté droit. Prends ta main droite et tu pousses le bébé du côté droit. J'ai fait comme ça. Et quand je faisais comme ça, j'ai senti la douceur d'un bébé qui vient de naître. Et je me suis réveillé. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est un songe. Ah, Seigneur, je vais partager avec qui? Avec les musulmans. Ma grande soeur est toujours à la courba, tous les jours. Et tous les jours, elle est à la courba. Quand je suis allé à elle me dit, chante-moi, Jésus m'a sauvé. Et toi, j'ai dit, Seigneur, si elle pouvait savoir. Deux jours après, je fais un autre songe. Mes frères et soeurs qui me connaissent peuvent en témoigner. Où j'étais comme carasse. Mon nez avait, s'était prolongé. J'étais noir, des cheveux en pétard. Et j'avais une grossesse de 6 mois. J'étais en train de marcher avec ma soeur dans le songe. Et quand on arrive, c'est moi qui étais assise en grossesse. Je me suis dit à ma grande soeur, regarde-moi, je suis enceinte. Oh, c'est moi, je suis enceinte, donc j'étais contente. La première question qu'elle me pose, tu as vu la vilaine, tu as vu son gros nez comme ça, une voiture comme ça. Allons, je ne joue pas parce que moi je suis enceinte. Donc, je suis allé me trouver avec moi-même, je jouais avec moi-même, je touchais le ventre. Donc, j'avais accepté dans le soir que je suis enceinte. Elle m'a laissé les témoins. Je ne pas, j'arrive, donc je me touchais. Et puis, je voulais même me poser, pourquoi tu as les cheveux comme ça? Moi, je dis, revois, je m'en vais. Donc, je disais, je suis en grossesse. Je suis allé trouver ma soeur. Je vous assure, du 20 au 23, ça c'est entre temps, j'étais debout à un carrefour, à Dakar. Une voix forte me pose une question. Tu m'as toujours demandé un enfant, un garçon. Là maintenant, présentement, si je te donne un enfant, qu'est-ce que tu dis, oh Seigneur, je ne veux plus. C'est toi qui connais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Je veux être comme Esther a dit Egay. Je me fie à tes choix. Seigneur, je me fie à tes choix. J'ai entendu comme si quelqu'un riait, il me dit c'est sage. Et je me retournais pour savoir qui me parlait. Je dis, ah, peut-être les choses du cœur, c'est ma chair. Et quelques temps après le 23, j'ai eu des choses bizarres. Je suis allé à la pharmacie à Dakar là-bas. Elle n'est pas très loin de la pharmacie. Elle habite à Liberté 5. Je suis allé là-bas, j'ai acheté, je voulais le G-test. Et quand j'arrive, je dis bonjour, vous avez le G-test? Il me dit, nous on n'a pas le G-test, nous on a les L-test. Je dis, c'est quoi les L-test? Est-ce que c'est pareil comme le G-test? Oui, c'est le pareil. Je dis, bon, donnez-moi, est-ce que je peux faire ici? Oui, t'assois. Ok, je me suis assise. Et elle me dit, il m'a dit, je ne savais pas qu'il fallait prendre les urines. Quand il m'a dit, va pisser, il dit, oh mon Dieu. Et je viens de pisser à la maison, si je savais vraiment, fallait un litre. Il n'y a plus rien, il dit, non, on va, même une goutte. J'ai fait le G-test. J'étais assise. Et puis, j'avais la paix dans mon cœur. Mais quand je l'ai regardé, il a fait comme ça, il voulait rire. J'étais énervé. Je dis, mais l'homme là, c'est comme ça à Dakar, ils ne connaissent pas les gens, ne voient pas, j'ai la noix, ils veulent jouer avec moi. J'ai voulu jouer à la sévère. J'ai entendu mon père qui me dit, hé, n'imite pas quelqu'un, sois toi-même, arrête. Comme, je ne suis pas très nerveuse. Après, j'ai dit, c'est comment? Il me dit, venez, vous êtes enceinte.
Alléluia. Amen. Je vais te dire, tu le vois, vous êtes enceinte. Et une voix est venue du ciel, m'a dit, Dieu est fidèle. Tu as 42 ans. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Je parle de toi, je ne te connais pas. Je vous assure que j'ai vibré comme une feuille de papier. J'ai vibré là, j'étais contente. Je ne savais quoi dire. Je suis sortie de là, j'ai acheté la carte. J'ai appelé mon époux pour lui dire, chérie, j'ai une bonne nouvelle, je suis enceinte. Il va arriver à la maison. Tu es dehors, va à la maison. Amen. Toutes ces réactions, je trouvais ça normal. Après, il m'a rappelé, tu as dit quoi? J'ai dit, je suis enceinte. Tu es papa. Alléluia. Amen. Et puis, je suis allée à la maison. Quand je vais, ma grande soeur trouve la joie et tout. Elle demande qu'est-ce qui se passe. Les enfants m'appellent aussi la vieille. Oh, la vieille enceinte. Elle me dit, maman, ça veut dire l'enfant de ma mère. Maman, il y a quoi? Mais entre temps, elle avait été sensible. Parce que je suis partie à Dakar, j'avais une éruption de bouton, d'abcès, j'avais noirci, et puis j'avais mal aux pieds. Elle me disait ici, là, quand la femme a les abcès, c'est la grossesse. Mais elle ne mettait pas de l'accent. Amen. C'est comme ça que je lui ai dit, voilà, elle me dit, on va aller voir le gynéco. Quand on va voir le gynéco, on m'a fait il m'a examiné. Il a dit oui, au bout des seins, elle est enceinte. Elle m'a dit déshabillé. Je lui ai dit, ah, ma soeur sort. Elle dit pourquoi? Elle suit ta soeur. Elle dit, mais tu n'es pas mon mari, sort. Elle est allée dehors, on m'a examiné. Il a dit, le col est hermétiquement fermé. Vous êtes enceinte. Parce que j'avais mal de temps, j'avais déjà eu une GU. Quand le Seigneur vraiment m'a délivré de la stérilité, c'était d'abord un GU pour me montrer un signe. Alors, comme j'avais mal, je me disais, oh, ça allait m'étonner. Ça allait m'étonner, vraiment, c'est encore une GU. Donc, quand on va chez le médecin, il me fait l'échographie. Il dit qu'il a vu dans mon ventre, n'a jamais vu ça depuis qu'il est gynécologue. Alléluia. Quand il fait l'examen, il constate que je devais avoir 4 bébés. Il ne m'a pas dit ça. Il prend les photos, il met dans la poche. Il m'amène chez un autre, il me dit, je veux que l'autre témoigne de ce que je vois. On est parti là-bas. Et puis, on m'a mis sur la table. Il me demande, madame, vous avez les jumeaux dans votre famille? Je ne voulais plus écouter ça. J'ai dit oui. Vous avez la possibilité de faire les jumeaux. J'ai dit, ça ne me regarde pas, ce n'est pas ce que je veux entendre. Vous avez les hormones jumelées, ça c'est vous-même. Et puis, il a regardé, il a utilisé le gros terme de la médecine avec son collègue pour que je n'entende pas. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. C'est comme ça qu'il lui a dit non, explique à la dame. Il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. J'ai dit, je sais. Madame, vous êtes enceinte, je sais. Madame, vous êtes enceinte, je me suis fâchée comme Pierre. Quand Jésus lui a demandé 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Je me suis fâchée. Après, j'ai dit, mon mari et moi, on est enceinte. Non, vous êtes enceinte. Vous, avec vos ovaires. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il m'a dit, tu as failli avoir 4 gosses. L'ovaire gauche a 2 follicules. L'ovaire droit a un seul est rentré à fermer. Le mal que vous avez là, si vous avez mal, c'est ça. Et l'autre lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous souvenez que le Seigneur a dit de broyer. Il dit à l'autre, il faut broyer ça. Amen. Il m'a donné un traitement. Quand il me donne le traitement, j'ai commencé ce traitement là-bas. Je vis au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, tous mes frères et sœurs qui avaient crié, d'abord quand j'étais à Dakar là-bas, quand je voulais prier pour moi, je sentais les voix comme si mes frères étaient devenus comme des oiseaux qu'on appelle gendarmes, Seigneur, promesse. J'entendais ça là-bas et je pouvais dormir en paix. J'ai dit ça, mes frères et sœurs, mon pote, je suis revenu, j'étais enceinte. Alors, après 9 mois de grossesse, j'ai enfanté d'une sœur en Christ. Amen. D'une prophétesse qui s'appelle Grâce Genima Promesse. Alléluia. Et ma soeur, quand je l'appelle, et bien on va prier. Avant de prier, elle dit, la parole témoigne de la parole. Alléluia. Parce que chère, la parole s'est faite chère. Quand j'ai accouché, je ne voulais pas donner gloire aux médecins. Je ne voulais pas aller voir les médecins. Je ne voulais pas donner gloire aux gangas.
Je voulais qu'on dise que l'Éternel est tout puissant. Et quand j'ai accouché, tous mes parents ont dit que ton Dieu est puissant. Alléluia. Ils m'ont dit que Jésus-Christ est Seigneur. Quand je dis, viens la prière, dit Jésus n'aime. Jésus n'aime. Elle veut dire Jésus règne. Alléluia. Ma soeur grâce. Elle dit toujours Jésus n'aime. Et puis tu m'as fait la grâce d'aller montrer l'enfant à tous ceux qui ont dit que je n'aurai pas d'enfant, tu as trop d'hormones. Elles m'ont pressé d'amener l'enfant en France pour voir. En France, là-bas, j'avais oublié parce que les médecins là-bas m'avaient dit d'aller faire le bébé éprouvette. J'ai dit, même si c'est 50, je ne fais pas. Je ferai les enfants. C'est pas ce qui est écrit. Quand je pars là-bas, il a fallu qu'on les attrape pendant que j'étais debout parce qu'elles contemplaient la puissance de... Amen. Amen. Alléluia. Elles ont prêché l'évangile de son pays qui disait aux gens, Jésus est dans notre maison. Alléluia. Dieu est tout puissant. Elles ont vu la puissance de Dieu. Et puis quand on est parti là-bas de Paris, on partait voir le petit en Allemagne. Donc je recevais l'enfant. Et quand je reviens à Paris, je ne savais même pas que je suis encore. Amen. Le Dieu est la multitude. Le Dieu est l'abondance. Alléluia. Je vous dis, mes parents ont dit qu'on ne pond pas les œufs. J'ai toujours dit que je suis dans un royaume où le coq pond les œufs. Je suis dans un royaume là où à 90 ans, quand Sarah arrive d'elle-même, elle a dit, aurais-je encore les désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. C'est à 90 ans que Dieu refait les choses. Le système revient en place parce qu'il est le Dieu de la réparation. Amen. Il a réparé ce qui était mort en moi. Il est celui qui donne la vie à tous mes membres morts. Jésus-Christ est la résurrection. La première résurrection qu'il m'a donnée, c'était moi-même de l'accepter. Et tous mes membres qui étaient morts, il a révélé la vie. Alléluia. L'opérateur de lui mort avait pris vie. Alléluia. Parce que le maître de la vie est rentré même dans l'opérateur de lui, le monde est tout. Amen. Les trous qui étaient bouchés. Oh, j'ai acheté le bois, j'ai vu les hommes. Jésus qui m'a dit qu'il est celui qui vous laisse maternel et qui vous enfanter. Amen. Il y a un chant qui dit toujours, il ouvre un chemin hein, dans le désert. J'ai dit, Seigneur, c'est mon chemin que tu ouvres. Alléluia. Alors, Dieu m'a fait grâce de ces deux enfants et je voulais vraiment exhorter mes frères et sœurs, les couples qui soupirent, qui croient que Dieu est une histoire. Jésus-Christ a dit, viens et vois. Jésus-Christ a rencontré la Samaritaine, la pêche qu'elle avait à déposer. Jésus-Christ a rencontré les pêcheurs. Ils ont déposé les pirogues, les filets, les pagaies. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Alléluia. Mais moi, j'ai abandonné tout ce que j'étais. J'ai abandonné les ganga et tout. J'ai même dit, Seigneur, j'ai compris que l'enfant était déjà un Dieu. Mais je vais te suivre. Je vais te connaître pour l'éternité. Alléluia. Entre temps, quand j'ai connu Jésus, j'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris qu'il y a des choses que Dieu lui-même fait parce qu'il veut glorifier son nom. On est toujours en train de dire que c'est ma tante, c'est mon nom, c'est maman, c'est elle, c'est ma rivale. C'est... Quand on est Jean 9, l'aveugle né. Il est né comme ça. Dieu a dit, Jésus a dit à ses disciples que Dieu permet de telles choses pour glorifier son nom. La Bible dit dans le livre 1 Samuel 1, 5. Anne et l'Éternel avaient rendu stérile pour faire un enfant spécial. Samuel, alléluia. Dieu a préservé mes entrailles. Amen. Et puis m'a purifié pour faire mes soeurs en Christ des servants de l'Éternel. Ceux qui m'ont prophétisé pour la nation à leur époque. Amen. Amen. Donc, on a tellement mis le serpent, tellement mis le mumba. La Bible dit que la parole de Dieu est une puissance qui nous paie. La parole de Dieu est la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Alléluia. La Bible dit quoi? Qui serait sauvé? Sauvé de la stérilité. Sauvé de la maladie. Sauvé des angoisses. Sauvé de tout ce que vous avez. Amen. Croyez seulement. Pour vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai cru
Je ne vous exhorte pas de suivre Dieu pour les enfants. Dieu nous a cherché premièrement le royaume des cieux et sa justice est toute chose. L'enfant est une chose. Et Dieu détient ça. Ce que tu cherches, c'est dans sa main. Ce n'est pas dans la main des vendeurs d'illusions. Alléluia. Dieu utilise des médecins pour traiter, mais c'est Dieu qui fait. Amen. Donc, je venais glorifier mon Dieu parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. Et il m'a donné un cantique. J'aimerais me chanter. Parce que quand je ne sais pas, j'étais dans le délire, dans le découragement. Maman est tombée malade et Dieu m'avait donné ce chant. Amen. Le chant dit, dresse-toi là où je t'ai établi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, dans ma présence et moi. Quand j'ai les Jean 14, un jour j'étais assise, j'étais avec ma soeur. Elle était à la terrasse, moi j'étais dans la chambre. Le Seigneur m'a dit, que ton cœur ne se trouve point. J'ai dit, mon cœur est troublé. Il m'a dit que ton cœur ne se trouve point. Crois en moi et crois en mon père. J'ai gravé ces paroles dans mon cœur. Et j'ai dit, je cherche Dieu. Dieu, c'est lui qui suffit. Dieu me suffit. Jésus me suffit. Il me remplissait de sa présence. Il enlevait vraiment le désir de l'enfant. Il comble le désir de l'enfant, ce vide-là. Même l'enfant qu'on a ne peut pas combler ce vide. Alléluia. Ce qu'on, le vide qu'on a, c'est Jésus qui manque. Amen. Promesse. Il était et tes amants commun, n'y a pas que le roi. Promesse, Anna, tout était et tes amants commun, y a moins de ma que le roi. Et t'étais, tout m'a dit, et tes amants commun, n'y a pas que le roi. Et t'étais, Anna, Dieu m'a dit, et t'étais. Thank you.
Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La gloire vient